Da-da-da. I am so excited for this video. So excited. So excited. The planets have aligned for this video like nobody's business. I'm gonna take you with me for a concert with some of the biggest stars of today. And then one of my oldest colleagues with whom I've sung when I was like 13 years old, who's on stage with these people. Et en plus, tout ça se passe au Théâtre des Champs-Élysées. Premier théâtre qui a collaboré avec moi pour l'opéra et ses ouzes. Regardez-moi ça! Oh. Alors, star, Paul-Antoine. Tan-ta-gran-tan-tan. C'est fou, c'est trop fou, je suis trop contente. Dans quelques heures, sur ce plateau, cinq immenses noms de l'opéra vont chanter Théodora de Handel. C'est un oratorio genre slash opéra qui est assez célèbre. Je vais essayer de capter de quoi ça parle. L'action se déroule à Antioche pendant la dernière grande persécution des chrétiens sous l'empereur Dioclétien entre 302 et 305 après Jésus-Christ. Oh là là. Didymus, un autre officier, s'interroge sur la sévérité du décret et fait remarquer que ceux qui n'adorent pas les dieux romains ne sont pas nécessairement des ennemis d'État. Bon, je vais avoir besoin de papier et de stylo. Hein. Je vous le dis direct. Donc t'as le gouverneur de la cité, ce mec-là, qui annonce que c'est le birthday de l'empereur. Il demande à tous les citoyens d'apporter un sacrifice à Jupiter, le dieu suprême des Romains. Ok, donc on est genre à Rome là. L'officier romain Septimius, alors ça, et je crois que c'est lui que joue Michael Spires. Lui, il obéit à lui, qui lui ordonne de forcer tous les citoyens à faire des sacrifices à Jupiter, le dieu des Romains, parce que sinon ça va mal aller. Didymus, un autre officier, et je crois que c'est lui que joue Paul-Antoine, si je me trompe pas. Didymus et Polo. Donc en gros, t'as lui qui est complètement d'accord avec le boss, et t'as lui, Didymus, qui dit « Mais peut-être qu'en fait, il y a genre une autre possibilité niveau religion, et que c'est pas parce que tu vénères pas les dieux romains que t'es forcément un bad guy. » Et Septimus, il fait un peu le calcul et il se dit « Ah, je me demande si mon pote là, il s'est pas en fait secrètement converti au christianisme. » La jeune chrétienne, Théodora, qui est donc jouée par Lisette Oropesa, rejoint un groupe clandestin. Elle renonce à sa fortune et au plaisir vain du monde. Donc la meuf à la base était riche. C'est genre une bourge romaine qui s'est convertie au christianisme. Et sa confidente, Irene, qui est jouée par Joyce Donato, elle lui dit « Mais tu as bien raison de ne plus vouloir être riche. De toute façon, ça n'apporte que des soucis. » Quand il y a un messager du grand boss qui dit « Attention, vous allez vous faire exterminer. » vu que vous êtes chrétien. Sauf que forcément, Irénée, elle dit « Mais non, 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 on va pas du tout s'échapper. Dieu nous sauvera. » Septimius arrive avec d'autres soldats. Théodora lui répond qu'ils ne peuvent adorer des dieux factices, même face à la douleur ou à la mort. Oh là là, il y a un gros clash religieux. Septimius lui répond qu'elle ne sera pas condamnée à mort. Il a l'ordre de l'emmener dans une maison où elle sera forcée à se prostituer. Donc c'est-à-dire ils vont pas tuer les meufs qui veulent pas se convertir à la religion des Romains, ils vont juste les mettre dans une maison close. Mais c'est intense ça. Théodora est horrifiée. Bah ouais, tu m'étonnes. Didymus arrive et apprend ce qui vient d'arriver. Il aime Théodora. Ah voilà, j'attendais l'histoire d'amour. Donc en gros, Didymus est amoureux de Théodora. Et ça, mes amis, le fait que Paul-Antoine joue une histoire d'amour avec Lisette Oropesa, mais je décède de rien. Donc Didymus apprend, nanana, il aime Théodora, et c'est auprès d'elle qu'il est devenu chrétien. Voilà, elle l'a fait se convertir. On se disait aussi. Donc il décide de la sauver. Ah, mais Didymus, en fait, c'est le prince charmant. Mais Paul-Antoine, tu joues un prince charmant, en fait. Donc le grand méchant, là, il ordonne à Michael de poser un ultimatum à Lisette. Si elle n'accepte pas de faire une offrande aux dieux romains avant la fin de la journée, elle sera violentée par les soldats choisis. Mais c'est quoi? Ils sont obsédés avec le sexe, les romains, ou c'est quoi leur problème, là? Mais c'est hardcore comme opéra. Genre ça parle de viol et de sexe non consentant toutes les 5 minutes. Et de christianisme. Septimius accepte d'aider Didymus dans sa tentative à libérer Théodora. Voilà. Théodora, elle est en prison. C'est pas du tout clair mes dessins.
Donc le plan a réussi, c'est-à-dire que Théodora, elle sort de prison. Sauf que, évidemment, Didymus, il s'est fait condamner à mort. Elle essaye d'aller sauver son chéri. Théodora entre et demande à mourir à la place de Didymus. Ils sont un peu en mode « Non, tuez-moi ! Mais non, tuez-moi ! Mais tuez-moi ! Mais tuez-moi !» C'est bon là, vous allez tous les deux mourir, c'est ça qui va se passer. Valence décrète solennellement de les condamner tous les deux à mort. Et il est là « Ah ouais ? Vous voulez tous les deux mourir à la place de l'autre ? Bah bam ! Je vous tue tous les deux. » Donc en gros, c'est des gens qui veulent pas céder au chantage, à l'autorité par rapport à leur religion, et qui vont se retrouver au paradis. Okay, je t'en prie, assieds-toi. Allez, prends place. Oh là là, oh là, là. Le polo. Donc, Paul-Antoine, ouais. Donc ouais. Déjà, petit récap, parce que les gens à la caméra le savent pas, mais on a chanté ensemble à Montpellier. Au conservatoire avec Patrice Baudry. Donc la dernière fois qu'on a chanté ensemble sur scène, c'était dans une église au fin fond du Gard. Le nom de la ville? Impossible de m'en souvenir. Et maintenant, quelques années plus tard, viens te voir au Théâtre des Champs-Élysées. Exactement. Alors que hier, en plus, t'étais à la Scala. Exactement. Et encore avant hier. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est un truc de dingue. Comment tu vas, Paul-Antoine? Non, je vais bien. Je me souviens très très bien de l'endroit où j'étais lorsque mon agent artistique m'a appelé. Ouais. Pour me le dire, et je n'ai pas vraiment cru sur le moment, compte tenu du casting absolument prodigieux, de la quantité de stars au centimètre carré qui se retrouvent à mes côtés. C'est que du bonheur, c'est aussi un peu de pression, parce que c'est évident que chanter face à ces idoles, ça fout toujours un petit peu de pression quand même. Surtout que le temps en plus de production est très réduit, et je rejoins l'équipe en fait 3 jours avant notre départ à Vienne. Super galvanisant, très très excitant, et en même temps, petite pression quand même. Et en plus de ça, t'as une histoire d'amour quand même avec la grande soprano du moment, Lisette Oropeza. Absolument. Avec notamment des duos de folie. Tout à fait. Comment est-ce que ça a été le processus de répétition? Comment est-ce que c'est de chanter avec quelqu'un comme ça et un rôle aussi compliqué? Ouais, le rôle est assez intense parce que donc, si je calcule bien, j'ai 4 airs plus 2 duos. Alors ça s'est fait de manière naturelle, j'allais dire. J'ai chanté la première fois que j'ai été amené à chanter mon premier récit devant tous ces collègues fabuleux, ça a été quelque chose pour moi. Lisette, que dire sur elle? C'est une chanteuse juste fabuleuse. Déjà j'arrivais en mode fan, donc c'était un peu particulier. Donc il fallait que je mette tout ça de côté, et puis faut faire le job après quand même. Elle a été d'une bienveillance absolue avec moi. Je sais que il faut mettre un peu tout ça de côté et se dire que si je suis là, c'est que non pas que je suis à ma place, mais en tout cas j'ai pas trop le choix quoi. Donc il faut que je fasse aussi mes preuves. En tout cas je n'oublierai pas cette production rien pour ça quoi. Je pourrais dire qu'au début de ma carrière j'ai chanté avec tous ces chanteurs là. John Chest absolument fabuleux. Que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer sur Mithridate, l'enregistrement que nous avons fait. Avec Joyce Donato, qui est la légende. Quand je me suis retrouvé pour chanter pour la première fois à la Scala avec ce cast de dingue, un petit peu avant d'entrer sur scène, je me suis dit, soit je termine en position interne de sécurité très 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 rapidement dans ma loge, soit je ne pense pas à tout ce qui se passe et je fonce quoi. Voilà. Ça fait un truc, hein, de voir quelqu'un que t'as connu quand il avait genre 18 ans chanter sur une des plus grandes scènes européennes avec les plus grandes stars du monde de l'opéra. Trop fier de lui. C'est sublime ce qu'il fait. Et puis avec Lisette Oropeza, ils sont comme ça, c'est... Thank you.
show commence dans... 1h30. Dans 1h30, ouais. Alors que j'ai une grosse mine dans... Que je repasse ma chemise. Vie de star. Ma vie de star, ouais. Mm-hmm. Ouais. Et peut-être que je me chauffe un peu aussi. Ça sent bien. Ouais. Bah écoute, t'avais l'air chauffé là sur le raccord. Ouais. Je peux peut-être encore un peu mieux faire. Je vais essayer. On parle de quoi? On parle de Paul Antoine, ouais. D'accord. Le fait que Paul Antoine, qui est un mec avec qui on chantait quand... Enfin, moi, perso, j'avais 15 ans. Ouais, j'en avais 18. Voilà. Bah maintenant, il est sur la scène avec toutes les stars. Oui. Et on disait tout à l'heure, avant que la caméra s'allume, que genre, on était stressés comme si c'était notre enfant. Notre enfant. Pas notre enfant, mais... Oui. Il y a un truc bizarre, comme, quoi. Comme avant un concert. C'est voilà. Trop bien. Tous les potes de Polo sont là et... Bam, une caméra dans ta face. Bam, ça y est, ça filme là. Ouais. Non, c'est ouf. Alors? Ah, franchement, je trouve que je fais un bon match. C'était une période, la deuxième période, on s'est donné. Non, mais c'est vrai, première partie, j'ai un peu serré les fesses, je dois dire. Parce qu'il y avait encore l'émotion, le truc et tout, j'avais un peu le diaphragme serré. Ouais. Et en fait, mes interventions sont un petit peu plus prégnantes aussi dans la deuxième partie. Ouais, c'est vrai. Ce qui me laisse plus de temps. T'as plus de spotlight. Aussi, exactement. Ouais. T'étais super, Paul Antoine. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout le monde m'a dit, on a halluciné l'entracte avec Jordan. Ouais. On était là, putain, mais en fait, il fait pas du tout, genre, t'es complètement légitime d'être vraiment, là. Vraiment, c'est vrai, tu trouves. Ouais, tu matches complètement avec le reste du cast. Trop fier de toi. C'est vrai. Bon bah voilà, Jordan, t'as eu des conseils de Michael Spires. Ouais. Mais surtout, on a vu Jordan. Non. Pardon, je voulais dire Jordan, on a vu Paul Antoine. On a vu Paul Antoine Benazzogian, la star de cette soirée. De cette soirée, c'était incroyable. Avec qui il faudrait que je retrouve des photos de nous qui chantons avec lui. Dans le Gard. Ouais. Mais moi, faut que je retrouve ces photos. Je les ai pas retrouvés. Voilà. Très bien. Ouais. Salut. Irénée et les chrétiens poursuivent leur veillée. Ils comptent... What? Ah mais là, il y a une faute. Ah, il y a une faute dans le programme de salle. Ils comptent l'épisode de la résurrection. Ils comptent? Ils racontent. Ah, ils comptent. Ah, c'est juste moi qui ne connais pas le français. Bravo. Qui c'est qui a fait? Quelqu'un est pas loin du... La personne qui a fait le programme de salle est pas loin? Oui. Merde, c'est pas grave. Pardon, je ne connais juste pas le français. Pardon. Ils comptent l'épisode.